Les histoires sont nombreuses. Le leadership de la femme est affirmé. Mais les pesanteurs qui sont arrivées de la déconstruction de nos sociétés ont fait que la femme a perdu quelque chose. Il y a 15 ans, le succès, c'était des dirigeants. Les directeurs de banque étaient tous des hommes blancs, il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a 10 ans, on a eu des hommes noirs. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes. On est en train de se positionner. Et je pense que c'est ça le challenge, c'est que les jeunes filles puissent s'identifier et se dire, je peux être cette femme-là. Ouais. Je peux être cette femme qui dirige. Et oui, demain, c'est le 8 mars. Toute la semaine, nous avons reçu ici des femmes inspirantes. Nous avons eu des débats instructifs. Et pour finir la semaine en beauté, oui, nous avons préparé quelque chose de lourd et d'ailleurs de très, très lourd. Je serai aujourd'hui en compagnie de Marion. Marion Été, qui est juste à mes côtés. Comment vas-tu? Ça va très bien, Antonella, et toi-même? Merci, très, très bien. Alors, vous la connaissez déjà, hein, elle a déjà fait un passage sur le plateau du club et ensemble, nous allons être encadrés par nos invités aujourd'hui. D'ailleurs, ne bougez surtout pas. À tout de suite, c'est maintenant le club. Ah là là, Marion, ça va, tu vas bien, t'es tout en beauté comme ça. C'est super gentil, bah toi aussi, hein, je te retourne le compliment. Merci, merci. Écoute, je sais que c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois qu'on voit Marion sur le plateau, même si je sais qu'il y a pas mal de téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, si quand même tu peux faire une petite présentation. Oui. Ben Marion Été, professionnelle des médias, je suis chargée de production, voilà. Quoi d'autre à propos de moi? Vraiment, j'aime tout ce qui est médias, télé et tout ce qui est personal déjà. Development. Voilà. Super, super. Et Marion, est-ce qu'elle est célibataire ou bien elle est en couple? Parce que ça, c'est la question qu'on aime bien sûr dans le club. Nick n'est pas là. Mais bon. Direct comme ça. Oui, je suis en couple. Je suis en couple. Mais écoutez, elle n'est pas un cœur à prendre. Voilà, c'est comme ça. Mais écoute, Marion, demain, c'est la journée internationale des droits de la femme. On le disait tout à l'heure, 8 mars, plus qu'une date, un combat. C'est le thème de l'émission du jour. Et pour en parler, nous recevrons aujourd'hui des femmes exceptionnelles, des femmes que nous admirons tous, des pionnières dans leur domaine, des femmes avec un grand F, si on peut le dire comme ça, épouses, mères, professionnelles. Elles ont accepté de venir sur notre plateau du club. C'est un honneur pour nous et on est très, très fiers de notre casting aujourd'hui. On va les accueillir. Il y aura Edith Brou, Naboufal et Christelle Méledge, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Bonjour, Antonella. Bonjour. Que des visages qu'on connaît sur Live TV. Donc, on voit Christelle Méledge, Edith Brou et Naboufal. Donc, comment allez-vous? Très bien. Très bien, c'est parfait. J'aime pas quand c'est calme. Je vous préviens, parce que moi, mon plateau, là, c'est pas. Voilà. J'aime pas quand c'est calme. On va très bien. Très bien. Ça se passe bien. On n'est pas calme. Pas du tout. Non, parce que je le vois dans d'autres émissions, mais là, non, pas du tout. Alors, Christelle Méledge, Edith Brou, Naboufal, beaucoup de téléspectateurs vous connaissent déjà. Mais on va passer quand même par la case de présentation. On va commencer avec Naboufal. Oui, alors je suis Naboufal, chef d'entreprise, CEO de Viséo, de Naboufal Academy et cofondatrice d'Impact Hub. Ok, super, voilà. Vous faites des conférences. On fait de la formation, de l'accompagnement et on a un incubateur, un accélérateur. On accompagne des entrepreneurs en Côte d'Ivoire et une société de formation, voilà. Magnifique, est-ce qu'on pourrait avoir un nom NFA, Naboufal Academy pour la formation et Impact Hub Abidjan pour l'incubateur. Super, on verra de toute façon en fin d'émission où est-ce qu'on pourrait vous retrouver. Absolument. Edith Brou, c'est ma collègue. Je retrouve ma collègue. C'est ça. Présentation. Alors, je suis Edith Brou Bleu, donc je suis spécialiste de la communication digitale avec plus de 15 ans d'expérience. Je suis également chroniqueuse télé, mais aussi créatrice de contenu. Parfait, donc on voit déjà deux dames dans le média et une troisième aussi, hein, Christelle Méledge. Christelle Méledge, qui est Christelle Méledge? Beaucoup de choses, mais ce qui serait intéressant de dire ici, c'est déjà, je suis CEO du cabinet de formation Winner Mind. On se spécialise un peu dans la gestion du mindset, la transformation de mindset. Les changements de paradigme. Super. Qui font de vous une femme forte qui va au défi, quels que soient les vents contraires. On forme en technique oratoire, en leadership, en stratégie. Et puis, à côté de cela, je suis présentatrice de télévision. Incroyable.
Incroyable. Écoutez, aujourd'hui, on est venu parler donc du 8 mars. Oui. Le 8 mars, qu'est-ce que ça vous évoque? Quand vous entendez le 8 mars, qu'est-ce que ça vous rappelle? Qu'est-ce que vous vous dites? Et surtout, pour vous, selon vous, hein, selon chacune de vous, quelle est la définition? Parce qu'on le voit, hein, la définition un peu partout, c'est un rappel, il n'y a pas de souci. Mais pour vous-même, qu'est-ce que ça signifie? On va commencer avec Edith. C'est vrai que c'est une journée en général. Je vais prendre... Je pense notre cas aussi, c'est une journée où on est énormément sollicité. Donc, pour prendre la parole pendant des conférences, pour motiver, pour parler de la situation des femmes dans notre pays. On le voit aussi sur vos réseaux. Exactement, exactement. Parler de la situation, de la condition des femmes dans notre pays et ailleurs aussi sur le continent africain, mais également parler de l'évolution des acquis en termes de droits de la femme. Également dans notre pays. Donc globalement, c'est une journée pour faire le point aussi, donc de tous ces acquis depuis ces nombreuses années, de toutes les batailles aussi qui ont été menées par ces femmes, également ces hommes, mais surtout ces femmes qui, au quotidien, à travers des ONG, à travers des actions individuelles, essaient au maximum de pouvoir préserver et permettre aux femmes d'obtenir beaucoup plus de droits. Voilà. D'accord, donc on va retenir préserver et donc obtenir beaucoup plus de droits. Ouais. Donc Christelle Mélège, pour toi, quelle est la signification du 8 mars? Alors pour moi déjà, le 8 mars, il fallait trouver une date. Hein. Mais les femmes, depuis la vie humaine, ont toujours porté le combat. On peut le décrypter comme on veut en fonction des pays. En Côte d'Ivoire, il y a tellement d'exemples, au Sénégal, en Gambie, en Égypte, enfin partout sur le territoire africain, la femme a un combat qui a porté. Il fallait simplement trouver le 8 mars après donc, ce qui s'est passé aux États-Unis. Pour moi, c'est vraiment faire l'apologie des droits et devoirs. J'aime pas parler des droits sans parler des devoirs. Il faut que ce soit équilibré. Bien sûr. Mais comme nous sommes dans la célébration des droits de la femme parce qu'il y a une histoire de lutte, pour moi, c'est vraiment l'information et la formation et le changement de paradigme pour appliquer les informations reçues dans le 8 mars, pendant le 8 mars. Il ne s'agit pas de faire des conférences, parler, et puis on range les sacs, on range tout, et puis allez, hop, parce qu'on en voit pas mal, hein, et après, il n'y a plus de suite. Après, il n'y a plus de suite. Non, pour moi, il s'agit vraiment d'implémenter les décisions prises ou ce qui a été obtenu comme acquis et le faire en sorte que dans notre vie de tous les jours, on puisse le sentir. Pour moi, voilà le 8 mars. Bien sûr, très important. Et Naoufel? Alors pour moi, le 8 mars, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que les femmes ne connaissent pas leurs droits en réalité. Donc le 8 mars, pour moi, ça devrait être une opportunité de rappeler aux femmes quels sont les droits qui existent dans les textes, déjà. Donc ça devrait être, normalement, ce n'est pas toujours le cas. Et ça devrait être une date aussi où chaque année, UN Women donne un thème. Ça devrait être une date aussi où on réfléchit sur ce thème et on voit comment on peut développer une stratégie tout au long de l'année qui va permettre d'implémenter ce thème de façon concrète. Donc ce thème, cette année, c'est sur l'investir sur les femmes. Il y a eu plusieurs thèmes chaque année et c'est important. L'année dernière, c'était sur le digital. Donc c'est important de comprendre quelle est la problématique, quel est le thème et comment est-ce que ce thème s'imbrique avec les droits pour réellement porter la cause des femmes dans nos sociétés de façon... Alors, c'est un point quand même très important parce qu'on le disait depuis le début de cette semaine avec les différents invités qu'on a reçus sur le plateau, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas même déjà ce que c'est le 8 mars et pourquoi on fête le 8 mars. Parce que pour eux, c'est la fête de la femme. Donc, il faut s'offrir des cadeaux, il faut s'offrir des bouquets de fleurs, alors que ça n'a absolument rien à voir. On l'a entendu avec Edith, avec Christelle et avec Nabou. Voilà, moi je suis totalement d'accord avec vos avis différents. Et pour le coup, moi j'aimerais savoir aussi si vous avez des objectifs et quel est même l'objectif de la femme en ce jour. Alors, des objectifs par rapport à généraux? Oui, au 8 mars, oui. Alors, pour moi, le plus important, c'est de, comme elle a parlé de transformer le mindset, c'est vraiment d'apporter des outils aux femmes afin qu'elles puissent elles-mêmes se prendre en charge et développer leur autonomie, leur autonomie mentale, mais aussi leur autonomie intellectuelle et financière. Donc pour moi, je pense que c'est ma mission quotidienne dans ce que je fais professionnellement.
et que ce soit en tant que conférencière, que ce soit en tant que formatrice, que ce soit en tant qu'entrepreneur, en tant que mentor, en tant qu'investisseur, puisque nous sommes investisseurs, Edith et moi aussi, nous investissons dans les projets de femmes. Donc je crois que c'est très important de donner des outils à la femme, et ces outils, ça doit être une suite logique qui doit leur permettre de s'affirmer et de contribuer de façon vraiment palpable et concrète à l'avancement de la société. Mais comment emmener ces femmes-là à contribuer à... Je ne sais pas, comment ? Alors, c'est très simple. Hein. Quelqu'un qui ne sait pas faire la différence entre bénéfices et chiffres d'affaires, il sera difficile pour elle d'être réellement, de réellement contribuer parce qu'elle n'a pas une vision claire de son business. Donc, nous, au niveau d'Impact Hub, on forme, on accompagne des femmes entrepreneurs de façon à les aider à réellement structurer leur business, à réellement avoir une plus de visibilité, à comprendre et élaborer leur business model et enfin à savoir comment est-ce que leur entreprise peut générer de la richesse. Parce qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs, mais est-ce que ces entrepreneurs gagnent de l'argent? Ok. Voilà, c'est une façon de donner des outils de façon à créer de la richesse et se dire ce sont les femmes qui portent le monde, ce sont les femmes qui éduquent les enfants. Bien sûr. Ce sont les femmes qui, quand une femme a de l'argent, et je le dis toujours, on n'a jamais vu une femme devenir riche et épouser un deuxième mari. Mmh. Une femme qui a de l'argent, elle réinvestit plus dans les études de ses enfants. Pour nous, notre premier investissement, c'est nos enfants. C'est la famille. C'est la famille. Et puis après, maintenant, le reste vient... c'est après qu'on s'achète des habits. Voilà. Hein. Exactement. Mais on d'abord nos enfants. Ouais. Et c'est pareil de votre côté? Oui, totalement. On parle d'investir sur la femme. Comme le disait Nabou, c'est de pouvoir donner le moyen aux jeunes filles, parce que ça commence par les jeunes filles, déjà d'avoir cette confiance en elles. C'est un travail de longue haleine parce qu'on grandit, elles grandissent dans un environnement où malheureusement la cellule familiale va les mettre dans des cases. Bien sûr. Et lorsqu'on quitte même la cellule familiale, à l'école également, on nous met aussi dans des cases. Donc c'est un travail de déconstruction et d'acquisition de leadership qu'on essaie de faire, on va dire, depuis de nombreuses années. Et oui, on va dire, le 8 mars, c'est un peu faire le point de ses acquis, mais c'est surtout de continuer à rappeler qu'il est important que ces femmes comprennent qu'elles sont, au même titre que les hommes, capables de beaucoup, beaucoup plus. Il suffit juste qu'elles aient cette autonomie financière, qu'elles aient cette compréhension de leur capacité inhérente, ce qui est très important, bien sûr, de leur leadership, et qu'elles soient capables également d'assumer leurs ambitions. Mmh. Parce qu'en général, on catalogue une femme qui a de l'ambition comme une femme qui en veut trop, ou bien qui agit comme un homme. Mmh. Et si vous remarquez dans les entreprises, il s'agira de donner des promotions ou autres, les hommes seront plus enclins à demander des promotions par rapport aux femmes qui vont avoir cette fausse gêne de ne pas demander, de ne pas prétendre, de ne pas paraître trop ambitieuse. Donc c'est vraiment ce travail de leadership, de déconstruction et d'assumer qui on est, une femme forte, une femme puissante, une femme qui est capable de se prendre en charge et qui est capable également de pouvoir être l'élément le plus important aussi dans la société aussi. Moi, très bien. J'avais une petite question. C'est vrai que je suis chaque 8 mars des conférences et ça me rebooste comme Christelle l'a dit. Et vous, pour vous, en tant que femme leader qui êtes sollicitée en fait ce jour-là pour venir avec des thèmes, on l'a vu avec Nabou, vous essayez de suivre une évolution en fonction de la société, de comment la femme se positionne dans la société. Comment vous arrivez à venir avec un thème innovant chaque année pour pas que ce soit redondant et qu'on se retrouve toujours avec peut-être les mêmes thématiques? Alors, comme elle l'a dit, il y a un thème qui est donné à l'international. D'accord. Mais en même temps, il est souvent décliné en fonction des réalités des États. OK. Pour nous, l'essentiel, et je résume un peu leurs propos et je partage leur avis, il s'agit d'aller à l'autonomisation émotionnelle et ensuite financière. Si vous me donnez 50 millions de francs CFA, que je ne sais pas qui je suis, je n'ai aucune estime de moi, je ne sais pas comment je réagis face aux coups durs, mais je perds ça le même jour. C'est clair, bien sûr. Et la femme africaine est une femme qui est forte, qui réagit, qui réfléchit, qui a un leadership naturel. La femme africaine a un leadership naturel. Je repense encore à ces femmes du Sénégal qui, avec l'invasion des tout couleurs, ont décidé, parce que les hommes n'étaient pas là, de se mettre dans une case et de s'immoler. La Lenguerre a décidé d'appeler donc toutes les femmes et de dire on ne peut pas aller être violée, on ne peut pas aller à l'esclavage. On décide de partir. Elles ont juste laissé, je crois, Nabou, deux
deux jeunes filles, deux princesses, pour raconter l'histoire. Et même en Côte d'Ivoire, on revient à Blapoku, pour une femme de diriger un peuple d'un point A à un point B. Ils ne sont pas en voiture, ils ne sont pas en avion, ils ne sont pas en train, ils sont en marche. Mm-hmm. Quand on sait que déjà la cellule familiale, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Ces personnes ont quitté d'un point A à un point B, une femme l'a fait. Les histoires sont nombreuses. Le leadership de la femme est affirmé. Mais les pesanteurs qui sont arrivés de la déconstruction de nos sociétés ont fait que la femme a perdu quelque chose. C'est en cela que dans nos formations, on ne réfléchit pas beaucoup. Hein. On connaît les thématiques, on parle avec les femmes, on sait exactement ce dont elles ont besoin. Et on sait quoi leur dire. Et quand on sort du 8 mars, bon, c'est bon le 8 mars, mais après, c'est un travail au quotidien. C'est ce qu'on fait dans les formations, on fait dans les masterclass, et on ne commence pas avec les femmes, c'est vraiment la jeune fille. C'est clair. C'est vraiment la jeune fille, c'est vraiment même au jardin, la façon de jouer, la façon de parler, la façon de réagir. Vous avez des jeunes filles qui n'ont pas d'estime de soi, vous avez des femmes à 50 ans qui n'ont aucune estime de soi. Elle a de l'argent, elle a tout, mais en formation, elle me dit, je ne sais pas ce que je fais sur la terre. Dès qu'on commence à parler sur moi, je fonds à 50 ans, je pleure, je n'ai plus envie de sortir, je me déteste. Mais c'est parti parce que de façon structurée, ça a été architecturé au fur et à mesure de sa vie. Donc notre travail, c'est de déconstruire tout ceci pour que lorsque vous mettez quelque chose, elle puisse gérer. Et les pousser aux formations, comme elle a dit, à la gestion, à faire le distinguo entre, se prendre en charge. Et ensuite, faire en sorte qu'à ses vieux jours, ses enfants lui donnent de la joie et de la paix, surtout. Alors, moi je note, hein, franchement, je suis comme une petite sœur autour de vous. Plein de conseils, franchement, totalement. Je suis épatée. Pour vous, quels sont les droits les plus importants aujourd'hui pour les droits de la femme? Déjà, le droit à l'éducation. OK. Elle parlait tout à l'heure, on va dire que ça passait par l'éducation. Exactement, le droit à l'éducation. Je veux dire... Après, il n'y a pas forcément une hiérarchie en termes de droits. On est égal aux hommes. Donc, les droits, ils s'appliquent à nous, deux genres, de façon systématique. On a droit au respect, on a droit à tout ce qui constitue la dignité d'un être humain sur cette terre. Donc, c'est vrai que des fois, et on parlait un peu en off, oui, on célèbre la Journée internationale des droits de la femme chaque année. Mais moi, ça me fait grincer un peu des dents parce que oui, on fait le bilan des acquis. Mais je me dis que si encore chaque année, on fait la Journée internationale des droits de la femme, c'est que la bataille, on ne l'a pas gagnée. Pas du tout. C'est ça. C'est qu'on n'a pas atteint nos objectifs. Parce qu'il n'y a pas la Journée internationale des droits des hommes. Il n'y a pas de distinguo par rapport aux hommes. Mais les femmes sont dans une forme de ghettoisation où il faut encore se battre. Oui. Souvent, il faut vraiment pousser la société à nous écouter. Il faut pousser la société à nous respecter. On est encore dans des situations où, je prends le cas de certains pays dans la sous-région, où on a près de 50 cas de féminicide. Déjà en début d'année, on est en mars. Wow. On a déjà des cas de féminicide. Et les femmes sont... malheureusement menacées parce que, et à cause de leur sexe, parce qu'elles sont des femmes. Donc, on a le droit, on a les mêmes droits qu'en tant qu'être humain, tout simplement. Il n'y a pas de hiérarchisation et les droits, de la même manière qu'ils sont respectés pour les hommes, ils doivent être respectés pour les femmes. Et j'irai encore plus loin, il y a une étude qui a montré qu'il faudrait plus de 150 ans pour atteindre l'équité entre hommes et femmes. Vous pensez que c'est dû à quoi, avant de revenir sur les réponses? C'est dû à la patriarchie, le patriarcat, tout simplement, qui donne une certaine image de la femme, qui positionne la femme dans des conditions... On fait la distinction entre le sexe et le genre. Mm-hmm. Donc le genre, c'est une construction humaine qui décide que les femmes doivent faire ceci et les hommes doivent faire cela. Donc cette construction de genre met la femme dans des tâches qui sont des tâches de travail, des tâches qui ne sont pas forcément données aux hommes, alors qu'on ne devrait pas dire c'est les femmes qui font la cuisine, c'est les hommes qui font ça. C'est vraiment quelque chose qui a été inventé par les hommes. On l'a beaucoup entendu ces derniers temps, en plus dans le club, la place de la femme, c'est à la cuisine. Et puis les plus grands chefs cuisiniers au monde sont des hommes. Et les plus grands coiffeurs aussi. Les meilleurs coiffeurs. Je pense que Marion, elle avait une question. Oui, enfin,
justement, pour rebondir par rapport à votre intervention, okay. Lorsque vous entendez la femme, ou bien, oui, la femme, c'est le sexe faible, oui, le faible, oui. Qu'est-ce que ça... Ça vous évoque ça vous, qu'est-ce que ça remue en vous? Alors, si on veut aller littéralement là-dessus, je ne sais pas qui tient plus que l'autre. Quand on voit, nous, quand on voit un homme nu, on ne saute pas sur lui, on a peu d'émotions. Donc, je ne sais pas qui est faible. Merci. Ouais. Alors, non, je veux juste dire qui est faible là-dedans, parce que faiblesse, quoi, émotionnelle, physique. Les gens qui ne se retiennent pas. Combien de fois on entend des femmes violer des hommes? C'est très rare. Mais même émotionnellement. C'est vrai de faire ça, cette analogie-là. Oui, non, mais franchement, et même au-delà de ça, je veux dire, on porte la vie. Mais au-delà de ça... C'est-à-dire qu'on est, je veux dire, au-delà même de porter la vie, la femme, les douleurs qu'elle porte de sa puberté jusqu'à la ménopause, c'est-à-dire que nous sommes, on va dire, le seul être humain sur Terre à avoir une douleur régulière. Pour certaines, c'est des douleurs modérées, parce que les douleurs des règles. D'autres, c'est... On saigne voilà. Chaque mois, on n'a rien demandé, on saigne chaque mois. Et pour certaines, oui, on a des douleurs au début donc, de la phase menstruelle, mais pour d'autres, c'est encore pire. Et chaque fois, c'est des tortures. Lorsqu'on on souffre d'endométriose, c'est une souffrance qui ne s'arrête qu'à la ménopause, c'est ça. Vous imaginez un homme, la ménopause, encore, qui c'est ne pourrait pas tenir c'est d'autres douleurs encore. Hein. Oui, c'est d'autres douleurs, c'est d'autres challenges. C'est d'autres choses. Et je dis toujours que la femme n'est pas préparée aux transformations de son corps. Ouais, exactement. On nous prépare, oui, il faut bien travailler à l'école, mais on ne nous dit pas, voilà ce que tu vas vivre pendant ta vie de femme. Voilà ce que ton corps va avoir comme transformation. Voilà comment la première fois que tu auras une relation sexuelle, ce que tu vas vivre. Voilà la première fois que tu seras enceinte, ça va être ça. On ne nous prépare pas à ça. Donc, on construit notre propre résilience. On apprend seul. Mais ça, si ce n'est pas de la force, c'est quoi? Vraiment. Alors, Antonella, j'aime bien cette assertion de Marilyn Monroe qui dit que les femmes qui veulent être l'égale de l'homme manquent d'ambition. Absolument. Je pense qu'elle a tout résumé. On ne peut pas être l'égale d'un être à qui on donne la vie. Ce n'est pas possible. On est bien au-delà. Wow. Ça s'applaudit, c'est fort. Wow. On est bien au-delà. I like that. On est vraiment bien au-delà. C'est fort. Hein. C'est puissant. Fort. Ah, non, c'est fort. C'est puissant. C'est une magnifique... Powerful. Non, mais qu'est-ce que j'ai à lutter? On peut pas, je peux pas. Si une femme décide d'arrêter la vie, personne ne peut l'empêcher. Une femme qui est en colère contre son époux, son fils, tout ce qui est grâce ou faveur ou bénédiction s'arrête automatiquement. Oui. La femme est le dernier être humain créé par le Créateur. Donc, vous avez toute son attention, vous avez toute sa beauté. Regardez votre nez, regardez le nez de Naboufal. Les yeux, la beauté d'Edith. Merci. Marion. Il a pris le soin de prendre son temps. Et quand quelqu'un décide... Les hommes vont se fâcher. C'est pas grave. Et quand quelqu'un décide de faire mal à cet être-là, les larmes de la femme sont des cris intenses que le silence même de la vie ne peut pas traduire. Donc, c'est ce que ma maman m'a toujours répété en plus. Quand une femme pleure, on dit... Par exemple, quand une femme accouche, on dit faut pas que quand tu donnes à téter, il ne faut pas pleurer. Si tu pleures, l'enfant va avoir mal. Ou quand tu pleures, il ne faut pas que tes larmes touchent la terre. Pourquoi? C'est des symboles, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et quand un homme et quand la femme, sur la base de son estime de soi, sait qui elle est vraiment, il y a des combats dans lesquels elle ne rentre pas. Elle sait avec qui, c'est-à-dire son compagnon de vie, elle sait comment faire le choix. Je vais digresser un peu, parce que l'amour n'est pas le premier facteur de mariage. L'amour, c'est vraiment c'est comme une colombe qui s'envole. Hein, c'est ça. Qui va et qui vient. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. L'amour, il faut d'autres choses. C'est pourquoi nous insistons sur l'éducation, la formation. Voilà. Quand une femme sait qui elle est, ce qu'elle vaut, et quand elle sait se projeter dans 5 ans, 10 ans, avec ou quelqu'un à côté d'elle. Ou sans. Elle réussit. Mais avec elle-même. Exactement. Merci. Le combat de la femme, ce n'est pas contre l'homme, c'est avec elle-même. Exactement. Surtout une femme qui a réussi à s'aimer, oui, à s'accepter, à se plaire à soi-même. Je veux dire, lorsqu'elle rencontre un homme ou finalement peut-être son âme sœur ou un compagnon, c'est comme une cerise sur le gâteau. Parce que c'est juste un être humain. Un complément. Merci. C'est le mot. Voilà. Nous sommes juste deux êtres humains au même titre sur la Terre. Oui, on peut parler de différences physiques, comme tu l'as dit, à l'image du Créateur, il nous a créés différemment. Mais nous sommes deux êtres humains avec les mêmes capacités de penser. Et pour ajouter à ce qu'elle venait de dire par rapport à ta question, le sexe faible.
Mais nous avons la charge mentale, nous les femmes. La charge mentale, c'est-à-dire que nous sommes ces êtres, au-delà des douleurs qu'on vit, ou qu'on vit chaque mois, qu'on ait des enfants ou pas, nous avons cette charge mentale que nous avons régulièrement tous les jours. C'est-à-dire qu'on doit penser à 10 ou 15 choses en même temps, parce que soit on a notre famille, on a peut-être les enfants ou autres. Même par rapport à la société aussi. Exactement, par rapport à la société, la pression sociale, au travail et tout. On veut bien faire, on veut apporter le meilleur, par exemple, au sein de la famille, au sein de l'entreprise, pour notre conjoint, pour nos enfants. Est-ce qu'on est allé les chercher à l'école? Est-ce qu'ils ont bien mangé? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Même là, on est là, on pense. Tout le monde pense. Qui ne pense pas ce qu'on mange ce soir? C'est ça, nous seuls. Nous seuls. Non, c'est trop. En répondant même d'ailleurs à la question, les droits les plus importants pour toi, Marion, est-ce qu'il, à part l'éducation, est-ce qu'il y a quelque chose qui te revient là maintenant, à ce moment? Les droits les plus importants. Bon, comme elles l'ont dit, il n'y a pas de hiérarchie, très, très sincèrement. L'éducation, le droit, je pense, dans le milieu professionnel, c'est quelque chose... moi, je viens des États-Unis, c'est quelque chose, déjà, en tant que femme, mais en plus femme noire, dans ce milieu-là, on dit, il y a une expression, tu dois travailler deux fois plus pour être considérée au même niveau. Et okay. Ça, c'est quelque chose, en tout cas personnellement, c'est quelque chose, c'est un combat aussi personnel que je pense qui me tient à cœur. Quand je voyais également mes amis se démunir, qui je sais qui ont un potentiel énorme pour assumer certaines charges de travail, de position, mais qui sont relégués à la dernière place quand il y a d'autres profils tels que voilà, un homme blanc qui est plus au format de la société. Donc. Voilà. Je voudrais rebondir là-dessus, en fait. Oui. Parce qu'avant, le succès, il avait un visage, il y a 15 ans. Le succès, c'était des dirigeants. Les directeurs de banque étaient tous des hommes blancs, il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a 10 ans, on a eu des hommes noirs. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes. Donc, on est en train de se positionner. Et je pense que c'est ça le challenge, c'est que les jeunes filles puissent s'identifier et se dire, je peux être cette femme-là. Ouais. Je peux être cette femme qui dirige. Je peux être cette femme qui passe à la télé. Ouais. Il y a 20 ans, 30 ans, une femme qui passe à la télé, ce n'était pas une femme de bonne vie. Il y avait une étiquette, il y avait une stigmatisation, exactement. Il y avait des biais inconscients. Ouais. Donc, aujourd'hui, la femme... peut être qui elle veut et sa place peut être là où elle veut être. Et on le voit bien dans les médias aujourd'hui, dans les films. Je ne sais pas si vous voyez, il y a beaucoup de films qui représentent beaucoup de femmes noires maintenant en position de leadership. Bien sûr. Et on adore. How to get away with murder. On l'a vu avec trois films aussi. Woman King. Oui. Le paradigme est en train de changer. Ouais. Et justement, Woman King, toutes ces femmes noires, je parle des femmes noires, qui sont des femmes de pouvoir aux États-Unis et ailleurs, s'inspire des histoires de nos femmes africaines. Bien sûr. C'est ça. Woman King, c'est vraiment les Agodje. Oui. Voilà, du Bénin. Du Bénin, C'est cela. Quand on va au Sénégal, on va au Ghana, on a tellement d'exemples qu'il faut, je pense, remettre au goût du jour, les enseigner, les présenter, pour savoir que la femme noire, c'est d'abord un mindset différent. Il n'y a pas de difficulté. Et pour répondre, pour dire un peu comme Michelle Obama, il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons faire en tant que femmes. Et pour revenir là-dessus, j'ai fait un TEDx là-dessus qui s'appelle « Le leadership de la femme » et je reprends toutes les femmes dans l'histoire. Ouais. Depuis l'Égypte antique jusqu'à aujourd'hui, toutes les femmes, si sur le continent, que ce soit les femmes dans les luttes pour les indépendances, on ne parle que des hommes, on ne parle pas des femmes. Moi, je veux profiter même de l'émission pour faire un plaidoyer au ministère de l'Éducation nationale, mais aussi au ministère de la femme. On peut enlever un chapitre de la Seconde Guerre ou la Première Guerre mondiale pour se concentrer sur ces histoires de femmes. Bien sûr. De femmes qui ont été reines, guerrières. Et moi, par exemple, c'est des profils que j'ai découverts après mes études. Je veux dire, on n'a pas de focus sur ces femmes africaines qui ont marqué l'histoire de leur continent. On ne les découvre que plus tard. Sur Internet, c'est tout. C'est dommage. C'est tout ça qui peut créer ce leadership inné. Imaginez par exemple une jeune fille au primaire ou au secondaire. Exactement. Qui s'identifie. Qui s'identifie à ces femmes parce qu'elle a appris leur histoire. Ouais. Elle a eu un chapitre pour chacune, en tout cas les plus importantes, les plus marquantes. Elle a eu un chapitre pendant 3 mois. Dans le programme scolaire. Et même les hommes, pas seulement les filles. Parce que les hommes, ça va changer leur perception. Voilà, exactement. Ça va avoir un impact. Parce qu'un jour, il y a un de nos amis, un homme, qui est venu nous donner, on faisait une conférence, je ne sais plus, et nous a dit, un homme assez connu ici, il dit, vous savez,
nous, on a un problème, c'est que nous, on n'a pas vu des femmes comme vous. Donc, on ne sait pas comment vous gérer, en fait, parce qu'on ne connaît pas les femmes comme vous. Donc, le travail, c'est aussi sur les hommes. Je dis, ne faire que pour les femmes et laisser les hommes, c'est ne pas faire le travail. Et je suis entièrement d'accord avec toi. C'était un peu un plaidoyer que j'avais ce matin. Je dis, il faut rééquilibrer. On a axé sur formation des filles et des femmes et des filles. On a oublié qu'elles allaient épouser des hommes, qu'elles allaient rencontrer des hommes au travail, qu'elles allaient avoir des enfants. Si vous ne formez que ces filles-là, d'ici 15 ans, 20 ans, vous formez une génération de femmes outillées, mais au top aguerries, mais elles regardent en face leurs amis d'enfance. Ils n'ont pas suivi. C'est pas pareil. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir ailleurs. Et quand on part ailleurs, on est en train de mettre un déséquilibre, l'équilibre social même. Parce qu'on part sur une nation métissée, il faut équilibrer. Alors, tout à l'heure, elle avait un point, on parlait donc des hommes, et moi, j'avais une petite question. Moi, je voulais juste savoir, en fait, comment les hommes pouvaient nous soutenir en ce jour-là, le 8 mars. On reviendra juste après la pub, ne bougez surtout pas, à tout de suite. De retour sur le plateau du club, toujours en compagnie de nos invités. Nous avons Christelle Mélège, Edith Brou et Nabou Fall. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup pour l'accueil. Alors tout à l'heure, j'avais donc une question, on parlait des hommes et je voulais savoir en fait comment peuvent-ils nous soutenir le 8 mars? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire le 8 mars? Alors moi, je vais prendre juste une citation de Maya Angelou. When you know better, you do better. Quand tu sais mieux, tu peux faire. Les hommes ne peuvent pas faire ce qu'ils ne connaissent pas. C'est clair. Ils ont des référents qui sont ancrés dans le patriarcat. Donc, il faut construire, on fait ce qu'on appelle... Moi, je sais que j'ai fait beaucoup de formations sur la déconstruction des biais pour des entreprises. J'en ai fait pour plusieurs multinationales. Et les hommes ont besoin de comprendre d'où viennent leurs biais inconscients. Et quand on déconstruit ces biais, on comprend qu'en fait, les femmes qui sont en face de nous, et les femmes aussi ont des biais inconscients, et je fais souvent une question. Qu'est-ce que c'est que pour vous un homme bien? Qu'est-ce que c'est pour vous une femme bien? Et vous allez voir la liste qu'on a, c'est des choses qui montrent les biais qu'on a, même nous-mêmes, de façon inconsciente dans notre esprit. Donc, il y a de la déconstruction des biais, mais il y a aussi ce qu'on appelle développer, de faire des hommes des alliés. Et donc, il y a des programmes, mais à l'échelle, faire des hommes des alliés et leur donner des outils, parce qu'ils ne nous connaissent pas, ils ne nous comprennent pas. C'est quoi les plus grands les biais que vous avez vus, du coup? Alors, la perception. Perception, comment est-ce qu'on juge une personne, une femme, de la façon dont elle est habillée? On juge une femme. Une femme qui n'est pas mariée, tout de suite, on la juge. Voilà. Une femme qui travaille et qui va laisser son mari, son mari reste à la maison parce qu'elle travaille, elle voyage, ça, tout de suite, il y a une perception qui est... C'est-à-dire, peu importe ce que la femme fait, on la juge. Sauf si elle est dans la place que la société veut lui donner. Si elle est dans son coin, elle ne fait pas d'efforts. Il faut juste faire ce que les gens veulent. Ce que la société veut, parce que c'est pas dommage. C'est très important. When you know better, you do better. You do better. Ouais. Mais comment ils font pour know better? Exactly. Il faut pouvoir les associer à tout ce qui anglais, est formation. Ah, nous avons des anglophones sur le plateau, on ne peut rien faire. C'est vrai. C'est bon d'avoir des hommes qui comprennent. Mais ils comprennent parce qu'ils sont éclairés. Soit par une lecture, une conférence, ou des formations, ou des masterclass. Mais puis vous voyez que la vie de la famille de ce monsieur commence à changer. Il a un respect pour son épouse. Il réfléchit, il sait comment lui parler, il sait comment... L'associer. L'associer. Mais quand on va sur le machoïsme de l'homme africain tout puissant et fort, ça devient compliqué. Excuse-moi, Christelle, mais ce n'est pas que les hommes africains. De l'homme. De l'homme, je voulais sortir... C'est très international. C'est vraiment l'homme. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce que la femme va faire? Elle va rentrer dans sa coquille pour éviter d'aller toujours au choc. Et puis, alors que lorsqu'on rentre dans la coquille, on ne parle pas, qu'est-ce qui se passe? Votre système de santé commence à prendre un coup. Vous ne parlez pas, c'est les... Et la santé mentale. Là, justement, fatigue votre cœur, vos vaisseaux sanguins, votre circulation sanguine, elle est un peu lente. Votre cerveau n'est pas bien alimenté parce que vous êtes dans la douleur perpétuelle. Vous regrettez, mais qu'est-ce qu'il m'a envoyé ici? Mais pourquoi? Alors qu'un esprit découragé ne reste pas longtemps dans un corps. C'est clair. Après, on dit, elle a eu la tension, elle est tombée, oh là là, c'est fini. Mais c'est justement pour ça que ce genre de programme, d'émissions que vous faites, sont à saluer. Et pas seulement l'initiative du 8 mars, mais que vous allez les multiplier pour vraiment dire aux femmes, allez apprendre. Il y a tellement de programmes de formation, tellement de programmes de leadership.
pour votre propre bien? Comment vous encaissez les coups? Comment est-ce que vous survivez dans ce monde difficile? C'est très important pour les femmes. C'est important aussi que les femmes s'informent, parce que très peu d'entre elles sont informées du 8 mars, de tout ce qui se passe. Je ne suis pas d'accord. Sûr? Elles sont informées. Ah oui. Elles doivent prendre la bonne information. Il faut qu'elles apprennent à aller vers les chercher l'information. Et à chercher l'information. Les informations, il y en a énormément. Mais c'est surtout ça, à chercher l'information. Parce que beaucoup d'entre mais elles... Mais comment elles font quand elles cherchent une robe, elles trouvent. Merci. Quand elles cherchent une chaussure, je t'aime. C'est ce que j'allais dire. Elles trouvent ce qu'elles veulent. Il n'y a pas ce que femme veut. Ce que Dieu veut, femme veut. Quand une femme veut quelque chose, on doit apprendre à investir sur autre chose que notre apparence. Exactement. On doit investir sur notre cerveau, sur notre cœur, sur nos émotions. Et on en revient au travail de connaissance de soi-même, d'amour de soi-même et surtout d'estime de soi. Exactement. Parce que, comme elles ont dit, l'information elle est disponible partout. On dirait Edith. Il y a énormément Google de programmes. Ton ami. Google est ton ami. Citation de Edith. Mais supposons que c'est une dame qui est au village, qui n'a pas Google, non. qui n'a pas les... Comment on elle fait aujourd'hui? On vit en communauté. On vit en communauté. Et au-delà de ça, on est, je pense, hein, dans ces communautés-là. Il y a quand même parmi ces femmes d'autres qui tirent les autres vers le haut. On parle de sororité et c'est ce travail constant qui est fait ailleurs. Je veux dire, c'est vrai que toutes les parties de la Côte d'Ivoire ne sont pas couvertes. C'est pas évident. Mais on est d'accord qu'on est dans des communautés et des communautés également où parmi nous, il y en a qui peuvent nous tirer vers le haut. Il faut poser les bonnes questions. Il faut juste se renseigner en fait. Pour compléter un peu les propos d'Edith, je voudrais vraiment te rassurer, Antonella. On a aujourd'hui des femmes qui sortent de leur région, hein, qui sont à la tête d'organisations, de coopératives, d'ONG. Elles quittent leur elles village viennent et elles viennent à des formations. Moi, je les vois. Des ateliers. On les voit. J'ai formé une dame de Dalloa, cadre d'une organisation agricole. Elle ne sait ni lire ni écrire. Oui. Tout le monde lisait. Elle a bien fait la formation. Je l'ai mise à l'aise parce que pour moi, l'intelligence n'est pas liée à l'éducation de l'école. Oui. Et elle avait envie d'apprendre. Elle s'est exprimée. Elle a fait son pitch comme tout le monde. Que nos mamans qui sont à l'intérieur, elles ont envie d'apprendre. Elle est venue de Dalloa. Et elles viennent. Elles on viennent. Va dire qui veut peu. C'est ça. Exactement. C'est ça, en fait. Il faut qu'on arrête de victimiser les femmes. Elles n'ont pas. Elles sortent il faut qu'on se donne. Et il y a même des programmes qui vont à l'intérieur du pays. Digifam. Il y a Digifam. Il y a le FEF. Il y a plein d'autres activités qui vont à l'intérieur du pays pour pouvoir apporter aussi aux femmes cette connaissance, cette autonomisation. Quelle recherche? Je suis déjà allée à Boaké personnellement, faire des formations pour des femmes. Il y avait les femmes du Vivrier. On ne demande que ça. J'ai proposé à plusieurs autorités d'aller former leurs femmes à l'intérieur. Je vous attends. On a proposé, mais bon, nous, on veut bien. Non, c'est très, très important. Faut accompagner, en tout cas, autant financer, pour moi, vous m'avez attaqué comme ça. Non, pas du tout. J'ai proposé même gratuitement. Je n'ai même pas besoin qu'on me finance. Gratuitement. Je suis prête à donner aux femmes de l'intérieur parce que je n'ai pas besoin d'être... Bien sûr. C'est bien, il faut le dire, la caméra, elle est juste J'étais là, en Guinée la semaine dernière. Non, je vais le dire. J'étais en Guinée, je suis allée sur un marché rencontrer les femmes du marché à Kindia. Je ne sais pas si tu as vu les vidéos que j'ai postées. Je suis allée voir les femmes teinturières. Je suis allée voir des femmes qui vendent des fruits, des légumes. C'était extraordinaire et elles étaient heureuses. J'ai rencontré les femmes présidentes du marché. Mais ça nous plaît d'aller vers ce ça chose. S'applaudit quand même. Hein. Franchement, bravo à toi. C'est très important. Et puis, vous voyez, quand elles arrivent en formation, les autres écrivent. Elles n'écrivent pas. Je vous assure, elles retiennent tout. Pour celles qui savent écrire, hein, elles griffent. On leur donne des choses assez simples. Celles qui ne savent pas écrire, il ne faut pas compliquer. Elles écoutent, elles entendent, elles sont contentes. Elles vous disent, je viens de Sikensi, je viens de temps. Et elles restent à Abidjan chez une cousine pendant 3 jours et elles repartent. Il ne faut pas oublier également le domaine du digital. Depuis ces 10 dernières années, on a vu l'entrain et la motivation que les jeunes femmes portent au domaine du digital. Quand je parle de digital, donc la communication digitale, il y a plein de métiers qui existent. Comme community manager, mais il y a aussi les métiers de développeur d'applications. Et avec Nabou, on est ambassadrice d'un programme qui s'appelle Digifam, qui existe maintenant depuis 2 ans. Et ce programme qui est totalement financé par les États-Unis Normalement, un programme comme ça, c'est 15 000 $ par tête. Et c'est offert à des jeunes femmes. Qu'importe le milieu où tu viens, du moment que tu réussis à passer l'étape de l'inscription parce qu'on te demande certains challenges à pouvoir accomplir. Si tu arrives à les accomplir, et c'est assez technique, tu réussis à rentrer dans le programme. Mais on a vu des femmes, on appelle la première étape du programme, c'est-à-dire les 100 premières ou 200 premières qui ont réussi à passer les tests et tout, on appelle ça la piscine. La piscine. Elles sont une centaine
qui viennent de tous les milieux. Il y en a même qui viennent de la sous-région. Lomé, Dakar. Lomé et tout. Très bien. Et la première année, je me rappelle, il y avait une qui était venue avec son bébé. Oui, je me souviens. Il ne devait même pas avoir 3 mois. Ouais. Je l'ai porté dans les bras et tout. Ouais. Elles viennent parce qu'elles veulent changer de vie. Voilà. Mais elles veulent acquérir une compétence. Acquérir une compétence dans le domaine du digital aujourd'hui, en 2024. C'est essentiel. C'est essentiel. Oui. Parce que tu peux te vendre dans n'importe quelle entreprise et même ailleurs. Mm-hmm. Parce que c'est des compétences recherchées. Et c'est des femmes qui sont formées en tant que développeuses full stack. C'est-à-dire que tu peux ne pas devenir travailler dans une entreprise comme développeuse, mais avec cette compétence, toi-même, tu peux développer ton site web. Bien sûr, te faire une entreprise. Toi-même, tu peux développer ton application mobile. Tu peux faire tout ce que tu veux avec ça. Et donc, ça s'appelle Digifam. Digifam. Ouais. Et ça existe depuis 2 ans. Où est-ce qu'on peut s'inscrire? C'est sur Internet. Sur Internet. Okay, donc Google, on tape Digifam. Simplement sur la page Facebook Digifam. Toutes les informations sont dessus. Le campus, il est à Toubon. C'est un grand campus. Campus, exactement. Où les jeunes femmes viennent. Franchement, elles sont motivées parce que c'est un programme qui n'est pas facile. Bien sûr. C'est vrai que c'est gratuit. Mais c'est pas du tout c'est facile. Dur, hein. Elles s'entraident entre elles. Ah, elles viennent de tout. Il y avait une maman. Elle a plus de 55 ans. Ouais, j'ai vu. La maman était là. Plus de 55 ans. Elle a dit ma fille. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. Je veux me reconvertir. Je veux apprendre. Il n'y a pas de limite d'âge. Et les donc les femmes veulent. Mm-hmm. Il faut juste les soutenir. Et c'est un programme incroyable. Et du coup, Edith, Christelle et Nabou, on a parlé vraiment de tout le chemin encore qui reste à faire. Vous avez commencé à parler de choses palpables. Ma question, c'est au fil de toutes ces années, toutes ces 8 mars qu'on a vécu dans vos vies, dans vos carrières professionnelles en tant que femme de médias, mais également dans vos vies personnelles en tant que femme, mère de famille et tout, quels sont les impacts concrets que vous voyez que cette journée a eu? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, peut-être l'impact principal, c'est que les femmes se sont rendues compte qu'elles avaient des droits. Qu'elles avaient des droits pour celles qui ont eu cette approche. Mm-hmm. Parce qu'il y a l'approche festive du jour, mais il y a l'approche éducative. Donc, si on veut avoir une approche festive, avant, c'était on va au restaurant, on se fait... Mais ce n'est pas ça, le 8 mars. Le 8 mars, c'est comprendre. Il y a des textes, il y a des choses à télécharger. Le 8 mars, c'est l'initiative de UN Women. Mm-hmm. Donc, peut-être aller sur le site, s'intéresser. Moi, je sais que le 8 mars, un des 8 mars que j'ai aimé animer, c'était à la CGECI. On a fait venir une avocate, il y avait le directeur des cabinets adjoints du ministère, et on a fait un exposé total sur les droits des femmes en Côte d'Ivoire. C'était une juriste. Et ça, c'est ça le 8 mars pour moi. Et je pense que beaucoup de femmes, même nous qui sommes là, connaissons-nous nos droits? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'une femme sait combien de commissariats elle peut porter plainte si jamais son mari la touche? Moi, j'ai eu à discuter avec une dame qui a eu violentée par son mari, qui a amené son mari au commissariat, pas parce qu'elle voulait divorcer, elle dit « je ne divorce pas, mais je vais lui montrer qu'il ne peut plus me toucher ». Donc, être consciente de ses droits, je pense que c'est ça la chose la plus importante. Mais tout dépend de la personne et de comment elle perçoit ça. Parce que si on attend des fleurs, si on attend ça, ce n'est pas ça l'humain. Bien sûr. Mais on doit changer la conversation. Shift the conversation. Et l'amener à un niveau supérieur. Les femmes doivent parler, on veut que les femmes parlent d'investissement, on veut que les femmes parlent de digital, on veut que les femmes parlent de développement d'entreprise, on veut que les femmes parlent de collaboration avec d'autres femmes, on veut transformer le mindset. Moi, si je vois quelque chose de bien, Edith, quand elle a une opportunité, en tout cas, elle m'appelle, elle me dit « Ah, la grande sœur, il y a ça ». Quand il y a quelque chose, elle dit « Edith, viens ». Parce qu'on a développé le partage, la sororité et avec d'autres femmes comme ça. Voilà, donc aujourd'hui, nous, on a installé ce qu'on appelle le réseau des femmes leaders de Côte d'Ivoire en janvier. C'est un réseau qui est panafricain, qui est soutenu par l'Union africaine, qui est soutenu par les Nations unies. On l'a lancé, on a installé la présidente Sephora Kodjo. Sephora, j'ai installé le bureau parce que je suis dans le bureau Afrique. Mais quand je vois les femmes charismatiques et impactantes qui sont dedans, je suis contente de voir des femmes ensemble qui vont faire des choses qui vont impacter les autres femmes en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on a envie de voir, dire je suis la seule femme, ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'on soit nombreuses. Et ça, je pense que ça est en train de changer. Il n'y a aucune de ces femmes que j'ai appelées qui, avant, c'était « oui, c'est qui est dedans ?» Aucune. Au contraire, elles sont toutes venues avec le cœur en disant « waouh, on va faire des choses ensemble, on va transformer ensemble. » Ça, c'est des mentalités qui n'existaient pas il y a 10 ans. Bien sûr. C'est incroyable. En tout cas, nous avons 3 femmes inspirantes sur ce plateau. Nous allons partir pour une petite pause publicitaire. On reviendra avec pas mal d'autres questions. À tout à l'heure.
De retour sur le plateau du club, j'espère que vous avez aimé la première partie. Si vous n'avez pas suivi, ne vous inquiétez pas, il y aura la réduction demain à 8h du matin où vous pouvez partir sur YouTube et regarder encore une fois cette émission. Alors, moi j'aimerais savoir, aujourd'hui, voilà, on est en 2024, est-ce que vous avez senti une évolution depuis tout ce temps du combat de la femme? Et surtout, est-ce que vous trouvez que la société aujourd'hui, elle est injuste envers la femme? Je parlerai des causes féministes. On a eu beaucoup de combats, je pense ces 3 ou 4 dernières années, qui ont été portés par les femmes, les jeunes femmes africaines. Okay. Sur les réseaux sociaux principalement. C'est vrai qu'ailleurs, on a eu le MeToo, mais également ici, on a eu des dénonciations. Les jeunes femmes et les femmes ont commencé à dénoncer les violences qu'elles subissaient. Et les violences, il y a eu beaucoup de focus également qui a été fait par les médias aussi qui se sont intéressés à ces cas de féminicide, à ces violences, pour qu'elles ne soient plus banalisées. Et ce travail de non-banalisation, je pense, a commencé à porter ses fruits parce que maintenant, même sur les réseaux sociaux, en tout cas, une certaine partie des hommes s'est éduquée à utiliser les bons termes, à faire attention aux mots qu'ils utilisent. Parce que même dans l'espace numérique, les femmes sont victimes de harcèlement. On veut réduire la voix des femmes au silence, en la ramenant à... Mais elle l'a même... Mais moi, j'ai souvent ce genre de remarques. Si je suis encore connectée, en train de regarder, de commenter, peut-être à minuit ou à 1h du matin, mais elle fait quoi à cette heure-là? Elle n'est pas avec son mari. C'est comme, j'ai vu sur TikTok, ça passait, c'est une petite reine où il y a Alex Hitchen, je ne sais pas si vous connaissez, il disait « Qu'est-ce qu'une femme avant 2 heures fout dehors ?» Il y a des messages qu'on reçoit aussi sur les réseaux sociaux. Exactement. Ça va, tu es jolie, donne-moi ton numéro. Mais on nous harcèle en permanence. Et ce genre de discours ne passe plus. Il n'y a que ça sur Facebook. Hein. Et ce genre de discours comme ce que Alex Hitchen fait ne passe plus parce qu'il se fait démonter et par les hommes et par les femmes sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a une... Et moi, je pense qu'il y a vraiment eu de l'évolution dans l'espace numérique où les femmes ne se taisent plus, dans l'espace également physique où les femmes vont marcher pour revendiquer leurs droits. C'est vrai qu'on a eu la marche des femmes de Grand Bassam, mais ces 3-5 dernières années, nos femmes également sortent, elles revendiquent. Il y a eu de l'évolution. Et il faut le faire. Et je dirais que les gens osent parler. Et le digital a changé tout. Les voix portent. Il y a eu un incident récemment au Cameroun, que je peux donner comme exemple. Stop Bobda. Mais ça a été relayé par le monde entier, par tout le monde, tous les pays, des hommes autant que des femmes. Donc, on ne peut plus être sévir dans un espace entre un criminel sexuel et penser qu'on va être tranquille. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Donc, il y a des voix qui s'élèvent. Le digital a permis d'écouter et d'entendre. Avant, les gens ne parlaient pas, ils n'avaient pas d'espace. C'est une chance qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens parlent. Maintenant, ce qu'on veut s'assurer, c'est qu'il n'y ait pas d'impunité. Exactement. En réalité. C'est ça, en fait. Et c'est ça que je voulais intervenir, qu'il n'y ait pas d'impunité. Parce que dans certains cas, vous arrivez au commissariat, dans certains commissariats, ça fait quoi? C'est toi, ton mari. Il banalise très souvent. Mais ce qui fait que, justement, quel effet ça crée? Certaines ne parlent plus. Il y a un silence. Elles rentrent dans leur silence et tu vas aller où? Parce que tu as l'impression qu'on ne t'écoute pas. C'est ça. Je te dis, alors de toute façon, ça ne sert à rien. Alors que des dispositifs ont été mis en place, justement, pour écouter et sévir. Et des commissariats sont formés aussi. Exactement. Donc, il faut que les femmes puissent sortir de leur ornière et aller dire attention, voilà, voilà. D'où la formation des hommes. They will do better if they know better. Ils vont faire mieux s'ils savent mieux. Mais il faut que la femme puisse continuer à parler, à dénoncer. Dans tous les cas, lorsque la femme ne dénonce pas, que l'affaire est portée à la place publique, des voix autorisées vont dénoncer à sa place. Nous, on va parler. On va parler. Voilà, elles vont parler. Donc, c'est vraiment ça qui est l'essentiel. Et aussi, il faut qu'elles se valorisent. Ouais. On est à la fin de cette émission. C'est déjà fini? Oui, presque. On va quand même prendre vos mots de fin. Si vous avez un dernier message à faire passer, que ce soit aux autorités ou même aux femmes qui nous regardent en ce moment, ou peut-être, pourquoi pas, les hommes aussi, vous pouvez le faire. Donc, c'est parti. Bon, moi, ça sera dans le domaine, un clin d'œil au domaine du sport, les femmes dans le sport. Je pense que c'est l'un des combats qu'il faut mener pour cette année. Pour les autres années, on a vu un peu... la sortie des joueuses absolument, de football féminin qui se sont plaints
des conditions dans lesquelles elles sont traitées, des primes dérisoires qu'elles reçoivent après les matchs. Des fois, elles n'en reçoivent pas. Je pense qu'il est important d'investir réellement et conséquemment dans le football féminin et dans tous les sports dans lesquels les femmes s'investissent. Parce que c'est comme le serpent qui se mord la queue. Ce n'est pas parce qu'elles n'attirent pas du monde qu'on n'investit pas en elles. Tant qu'on n'investit pas suffisamment dans ce sport, ça ne va pas attirer du monde. Clair. Donc, il faut leur donner les moyens de pouvoir mieux s'entraîner, d'être dans les meilleures conditions pour produire le meilleur jeu. Il y a le football, mais il y a également le basket. Et je salue également ces équipes de basket féminines qui se battent très bien. Et un clin d'œil à l'équipe de FBA, équipe féminine de FBA qui a gagné la Coupe nationale ce week-end. Mm-hmm. Et la spécificité de ce club, c'est que c'est géré uniquement par des femmes. Et je fais un clin d'œil à Karine Mulaté, qui est l'une des dirigeantes. Bravo à elle. Merci beaucoup. Investissez dans le sport féminin. Christelle. Alors moi, ce que je voudrais dire aux femmes, c'est ne mourrez pas. Vous n'avez plus le droit en ce 21e siècle de mourir. Ce n'est pas possible. Émotionnellement, financièrement et à tout point de vue, il y a des voies de recours et des moyens de recours. Les douleurs que vous avez dans vos cœurs par rapport à vos échecs ou tout ce que vous avez subi comme humiliation ou comme quoi que ce soit peuvent être résorbées si vous avez la bonne information. Vous n'avez pas le droit de mourir, d'abandonner vos projets ou de dire que vous ne pourrez jamais être une grande dame. C'est faux. C'est ce que vous dites que vous serez. Aujourd'hui, comme elles l'ont dit, sur Internet, tout est là. Les formations en leadership, les formations en estime de soi, tout est là. Levez-vous et faites le bon pas. Et mon plaidoyer, c'est qu'au niveau des curricula de formation dans nos écoles, on puisse associer des choses qui manquent, comme l'estime de soi, comme l'imagination. Ce sont des thématiques qui, une fois associées à nos curricula, vont faire changer la donne. C'est ce que je voulais dire. Merci, Antonella. Bravo. Alors, moi, je voulais dire aux femmes qu'il n'y a pas d'âge pour être accomplie, il n'y a pas de diplôme pour être accomplie, il n'y a que de la volonté. Il suffit de vouloir investir sur soi, pas forcément financièrement, mais en temps. Investissez aussi dans les relations, les personnes que vous fréquentez. Investissez dans vos lectures, ce que vous lisez. Investissez dans ce que vous regardez. Et si vous voulez être dans l'excellence, si vous voulez vous dépasser, si vous voulez réellement vous réaliser, soyez dans la démarche constructive et cohérente et congruente. Parce que si vous ne suivez que des choses qui sont dans la médiocrité, vous n'allez pas être la femme que vous voulez réellement être. La personne que vous voulez devenir, c'est vous qui la faites. Et comme l'a dit Christelle, toutes les formations sont là. Vous allez sur YouTube, il y a des formations gratuites. Vous suivez Christelle, elle partage des choses. Vous suivez Edith, elle partage des choses. Je partage des choses. Et bien d'autres personnes partagent des choses extrêmement inspirantes et empowering, comme on dit, qui vous permettent de vous dépasser. Okay. Ne vous limitez pas à ce que vous êtes. Parce que je sais que quand vous êtes là, vous êtes quelque part frustré. Vous vous dites, j'ai mieux à faire. J'ai envie de faire plus. Mais vous pouvez faire plus. Mais donnez-vous les moyens de ce plus en sortant de votre zone de confort. Edith a parlé de Toastmaster. Allez prendre des cours, ça ne coûte pas grand-chose. Allez prendre des cours de prise de parole en public. Intéressez-vous aux choses qui vont vous développer, qui vont vous développer en tant qu'humain. Pas forcément les mèches, pas forcément la robe, mais développez-vous en tant que personne. C'est vrai, j'aime les habits, mais j'aime aussi grandir et me former. Je me forme personnellement minimum 4 fois dans l'année. Je suis toujours en formation. Parce que j'aime grandir. Donc, quand quelqu'un vient me dire « qu'est-ce que tu fais ? Je veux être comme toi. » Est-ce que tu es prêt à prendre le temps de lire ? Est-ce que tu es prêt à prendre le temps de te former ? Est-ce que tu es prêt à prendre le temps d'être humble et d'aller parler à des personnes sans te dire que c'est toi qui connais tout, parce que personne ne connaît tout. Alors, chers amis, hommes, femmes, grandissez, parce que quand les hommes se forment, ils grandissent et ils ont plus de soft skills pour mieux comprendre les femmes. Pour mieux accompagner leurs épouses, leurs filles, leurs sœurs. Et je suis contente parce que je vois de plus en plus d'hommes qui disent « Je voudrais que ma fille soit émancipée, que ma fille soit épanouie et que ma fille soit une grande dame. » Merci. Waouh. Franchement, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour nous également. Et merci à Marion aussi de m'avoir accompagnée aujourd'hui. Merci Marion. Merci Antonella. Franchement, j'espère vous revoir très très vite. Pourquoi pas sur ce plateau pour un acte 2, on ne le sait pas. Et merci encore pour ces conseils. 3 femmes inspirantes et impactantes. On ne peut que prendre note aujourd'hui. Donc voilà, on vous dit à très très vite. Plein de bisous à vous.
Passez une belle soirée. Bye. Ciao. Ciao, ciao. Bye.